France Info. 7h-9h30. Marc Fauvel. À suivre, le conflit dans les raffineries qui s'essouffle et puis le choix de France Info. La question du moment dans beaucoup d'entreprises, comment les patrons gèrent-ils les hausses de salaire? Le fil info tout d'abord à 8h11, Maureen Suignard. Le Quai d'Orsay annonce le rapatriement de 40 enfants et 15 femmes adultes de Syrie, des mères et leurs enfants détenus dans des camps de prisonniers djihadistes. Les adultes remis aux autorités judiciaires, les enfants à l'aide sociale à l'enfance. Une première motion de censure de la NUP, la seconde du Rassemblement national contre le gouvernement doit être déposée aujourd'hui, au lendemain de l'activation du 49-3 par la Première ministre pour le budget de l'année prochaine. L'Union européenne prépare des sanctions contre l'Iran, les 27 qui se réunissent à Bruxelles aujourd'hui. L'UE dit avoir des preuves que la Russie utilise des drones iraniens pour attaquer l'Ukraine. Moscou et Téhéran démentent. Le parquet suisse fait appel de l'acquittement de Michel Platini et Sepp Blatter. L'ex-président de la FIFA, instance du foot mondial, avait été soupçonné d'avoir versé près de 2 millions d'euros à Michel Platini de manière illégale. Ils ont été blanchis cet été par la justice.